pour cette deuxième conférence, nous avons demandé à Monsieur Jean-Pierre Bonnet, qui est professeur émérite à l'ENSI, l'École nationale supérieure de la céramique industrielle, de nous donner, de voir comment ces innovations dont nous avons parlé pendant la première conférence pourraient intéresser la céramique d'art ou de design. Voilà, je lui laisse donc la parole. Et donc, à la fin de cette conférence, vous pourrez poser des questions sur la première et la deuxième conférence. Voilà. Oui, avant de commencer, je voudrais déjà m'excuser pour un certain nombre de répétitions. Je vais être amené à répéter des choses qui ont été dites par mes collègues et je ne vais pas forcément dire exactement la même chose, n'est-ce pas, Anne? Bon, pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire, il est nécessaire que vous compreniez la différence qui existe entre les céramiques fabriquées à partir de terre et les autres céramiques. Et avant ça, je vais faire quelques commentaires sur la définition. Vous avez remarqué que mes collègues précédents n'ont pas utilisé la même. Alors, il existe en fait deux définitions. La première qui est celle du dictionnaire, qui est une définition qui fait référence à la technologie, c'est celle que j'ai écrite ici, c'est-à-dire les céramiques sont des matériaux minéraux consolidés par un traitement thermique ne conduisant pas à une fusion complète. Ceci signifie que les verres et les liants hydrauliques, par exemple, ne sont pas des céramiques. Il se pose la question des verres frités. Sont-ils des céramiques? Les vitraux céramiques sont-elles des céramiques? Si vous voulez, l'inconvénient de cette définition, c'est qu'elle ne fait pas référence à la pièce finie, mais à la façon dont elle a été fabriquée. C'est-à-dire, aujourd'hui, on est capable de fabriquer deux pièces identiques, l'une par une consolidation chimique, par exemple, l'autre par un traitement thermique, et l'une seule des deux pourra être qualifiée de céramique. Alors, une autre définition a été proposée qui fait référence aux matériaux. C'est celle qu'a évoquée Dave Smith tout à l'heure. Selon cette définition, je crois qu'Anne aussi en avait parlé. Selon cette définition, les céramiques. D'accord. Selon cette définition, les céramiques sont des solides ionocovalents. C'est simple, exhaustif. Ça veut dire que tout matériau solide qui n'est pas un produit organique ou un métal est une céramique. Ça veut dire que les verres sont des céramiques, ça veut dire que les ciments sont des céramiques, mais ça veut dire aussi que les roches sont des céramiques. Alors, il faut bien voir qu'on ne parle absolument pas de la même chose. Si vous voulez comprendre la différence entre ces deux définitions, je vais vous l'expliquer très simplement. La falaise d'Étretat est en céramique. Le calcaire est un matériau céramique. Il ne viendrait à personne l'idée de considérer la falaise d'Étretat comme étant une céramique. La céramique, c'est un matériau céramique auquel on a donné une forme et des propriétés. Je ne sais pas si ça éclaircit votre vue des choses, mais c'est comme ça que vous devez le percevoir. Donc, on ne parle pas de la même chose. Alors, moi, j'utiliserai, si vous voulez, le mot céramique dans le sens de matériau céramique ayant une forme et des propriétés. C'est-à-dire, je vais élargir la première définition. Alors, si on veut comprendre les difficultés que rencontrent les gens qui fabriquent des céramiques techniques, il faut savoir que du point de vue de l'élaboration, il existe deux types de céramiques. Celles qui sont obtenues à partir d'un mélange contenant de l'argile et celles qui sont obtenues à partir de mélanges ne contenant pas d'argile ou contenant très peu d'argile. Alors, les mélanges contenant de l'argile, j'ai cité un certain nombre de matériaux ici. Ce sont les briques, les tuiles, ce qu'on appelle en général des terres cuites, les carreaux de sol ou de mur, qui sont généralement des faïences ou des grès, les produits sanitaires, là encore des faïences ou des grès, la vaisselle, porcelaine, faïence et grès essentiellement, la poterie, qui peut être de la terre cuite, les réfractaires les plus traditionnels sont des produits qui sont issus de la terre, de produits à base de terre, et aussi un certain nombre de produits techniques. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a une entreprise à Limoges qui essaie de fabriquer des gilets pare-balles avec de la porcelaine. Vous trouverez des isolateurs, les isolateurs très haute tension sur les lignes à 250 ou 500 000 volts sont des isolateurs en porcelaine. Ce sont d'ailleurs des pièces tout à fait exceptionnelles. Donc,
il faut bien comprendre que les céramiques à base d'argile ne servent pas seulement à faire des matériaux simples et anciens. Ça peut être aussi des produits très avancés. Ce sont des matériaux qui sont fabriqués à partir de matières premières, souvent de synthèse. Pas exclusivement, mais souvent. Et la liste des applications vous a été donnée tout à l'heure, c'est-à-dire des céramiques pour l'électronique, l'électricité, des réfractaires, mais plutôt les réfractaires avancés, c'est-à-dire les réfractaires pour très haute température. Une famille de matériaux qui a été peu évoquée et qui est très importante du point de vue des applications, c'est les filtres. Filtres à particules, filtres à poussière, filtres à métaux, filtres de l'eau, la filtration de l'eau. La filtration de l'eau, par exemple, les filtres à eau, beaucoup d'entre eux sont des terres cuites. Ce sont des filtres en terre cuite. Les isolants, donc les isolants thermiques. Là, il y a beaucoup de silice dans les isolants thermiques. C'est souvent des produits qui sont dérivés du verre. Les céramiques thermostructurales, c'est-à-dire des céramiques dont les applications sont soit mécaniques, soit thermiques, soit les deux. C'est-à-dire, ça va être des pièces qui sont introduites dans des moteurs de voiture. Ça va être les freins des avions, des poids lourds, ou même des voitures de Formule 1, qui sont des freins en carbone. Ça va être un grand nombre d'applications qui ont été évoquées. Je crois que c'est Thierry Chartier qui les a évoquées tout à l'heure. Il existe un grand nombre d'applications pour les thermomécaniques et aussi, bien sûr, les céramiques biocéramiques, les cales osseuses, les prothèses de hanches, les prothèses de genoux et aussi les prothèses dentaires. Et éventuellement, comme Thierry vous l'a montré tout à l'heure, des prothèses osseuses pour substitution crânienne. Donc voilà ce que sont les deux familles. Alors pourquoi distingue-t-on ces deux familles? C'est pour des raisons de procédé. C'est que on ne peut pas les fabriquer rigoureusement de la même façon. Alors pourquoi ne peut-on pas les fabriquer rigoureusement de la même façon? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer maintenant. Donc si on considère les terres naturelles ou reconstituées, c'est-à-dire celles qu'utilisent les gens qui font de la faïence, de la porcelaine, des terres cuites ou des grès, vous savez qu'elles contiennent en général deux ou trois parties, selon la personne qui en parle. La première partie, c'est la partie argileuse. La partie argileuse, si on considère la définition de l'argile telle qu'elle est retenue par les géologues, c'est un ensemble de particules de taille inférieure à 2 microns. Nous, en tant que céramique, on s'intéresse en fait à une partie de cette partie argileuse, c'est celle qui est constituée de plaquettes de phyllosilicates. Et les phyllosilicates, ce sont des minéraux qui se présentent sous forme de plaquettes très fines. Alors, vous connaissez les noms de certains de ces minéraux, la kaolinite, la loisite, l'élite, la montmorillonite, la muscovite, il y a plus de 120 ou 130 minéraux différents qui se présentent sous forme de plaquettes. La deuxième partie qui constitue ces terres naturelles ou reconstituées, c'est ce qu'on appelle les dégraissants. Les dégraissants ont une caractéristique, ce sont des grains généralement de forme assez isotrope et de grande taille, c'est-à-dire typiquement de quelques dizaines de microns à plusieurs millimètres. Et du point de vue minéralogique, c'est du quartz, c'est-à-dire de la silice, hein, des feldspathes, du calcaire et plein d'autres minéraux qui peuvent être présents accessoirement. Alors, on évoque, quand on parle des terres naturelles ou reconstituées, une troisième famille qu'on appelle les fondants. Alors, comme leur nom l'indique, ce sont eux qui, au cours du traitement thermique, c'est-à-dire autour de la cuisson, vont ramollir pour faire apparaître une phase qui va plus ou moins s'écouler dans l'empilement granulaire. Mais ces fondants ne sont pas une famille à part, puisque ces fondants sont soit des argiles, soit des dégraissants. Les fondants en basse température sont généralement des argiles, c'est-à-dire une argile qui cuit à 850 degrés. Ce sont des argiles fondants qui sont responsables de la cuisson. Pour les argiles qui cuisent à haute température, c'est plutôt les dégraissants. Les fondants font partie des dégraissants, c'est-à-dire c'est généralement des feldspaths. Ce qui est important de retenir ici, c'est la présence d'abord de la partie argileuse qui va conférer des propriétés particulières aux pâtes, au mélange terre-eau, et la présence des dégraissants constitués de gros grains qui vont, eux, faciliter la réalisation de la pièce crue. Donc là, on a un ensemble de particules qui vont donner des propriétés particulières. Alors, si vous voulez, les plaquettes d'argile, donc les plaquettes de phyllosilicate, sont responsables de la plasticité. Comment expliquer la plasticité? Vous pouvez le percevoir assez simplement. Vous prenez deux plaques de verre, d'accord, et vous mouillez la première plaque de verre, vous déposez la deuxième plaque dessus et vous essayez de les séparer. Vous allez vous apercevoir qu'il vous est impossible de les séparer en les écartant. C'est-à-dire que la pellicule d'eau placée entre les deux plaques donne de la cohésion à l'ensemble. Et c'est cette pellicule d'eau placée entre deux plaques qui va donner la cohésion de la pièce crue. En revanche, on peut très facilement faire glisser les deux plaques de verre l'une sur l'autre.
C'est ce qu'on appelle la plasticité. Donc vous voyez que la forme des phyllosilicates confère à la fois la cohésion de la terre humide et la plasticité. Et là, on a évidemment des mélanges qui seront très favorables à des mises en forme par pâte plastique, c'est-à-dire le façonnage, donc autour, le calandrage, c'est-à-dire le passage de la pâte entre deux rouleaux, l'injection ou l'extrusion. Alors maintenant, si on regarde le comportement de grains isotropes, la situation est un petit peu différente. Alors le comportement de grains isotropes, vous l'avez perçu quand vous avez fait un château de sable. Du sable sec, vous ne pourrez jamais lui donner une forme. Humidifiez-le un petit peu, et à ce moment-là, vous pouvez lui conférer cette forme, une forme. D'accord ? C'est la présence d'humidité au milieu des grains de sable qui permet d'obtenir une cohésion, une forme. Alors, d'où vient cette cohésion ? Ben, tout simplement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'entre les grains, il se place une faible pellicule d'eau, et c'est cette faible pellicule d'eau qui, par les forces capillaires et électrostatiques, lie les grains entre eux. Donc, on est dans une situation qui est assez proche de celle des argiles, si ce n'est que la surface de contact est ici très faible. Et le problème de cette faible surface de contact, c'est que lorsque vous allez déplacer les grains les uns par rapport aux autres, automatiquement, vous allez perdre le contact. Vous allez perdre la cohésion. Votre château de sable s'émiette. Donc, les mélanges de grains isotropes présentent bien une cohésion en présence d'eau, qui est beaucoup plus faible que celle des systèmes contenant de l'argile, mais ne présentent pas de plasticité. Donc, vous voyez déjà qu'un empilement granulaire isotrope n'aura pas le même comportement à la mise en forme qu'une terre. Autre différence aussi, c'est le comportement à la cuisson. Dans le cas des terres, lorsqu'on va chauffer ces terres, les fondants, les fameux fondants, vont ramollir. Il va se former une phase visqueuse qui est en gros assimilable à un verre, au verre que, du point de vue de la viscosité, est assimilable au verre qu'utilise le souffleur de verre. C'est-à-dire déjà un verre qui a une viscosité relativement élevée. Ce flux visqueux va avoir tendance à se répandre dans la microstructure sous l'effet des forces de tension superficielle. Donc, en se répandant dans la microstructure, bien sûr, il va assurer un lien entre les grains, il va aussi combler petit à petit les pores. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'efficacité de la cuisson en termes de consolidation et en termes de densification, elle dépend d'une part de la quantité de flux, c'est-à-dire que si vous voulez éliminer toute la porosité, il faut qu'il y ait au moins autant de flux qu'il y a de volume poreux. Et elle va dépendre de la viscosité du flux. Et la viscosité du flux dépend de la température. Plus vous allez chauffer haut, plus la viscosité sera faible. Et si la viscosité est très faible, votre pièce, elle se déforme. Et elle dépend de la composition. Selon la composition du flux, selon qu'il soit riche en sodium, en potassium ou en calcium, ou pas, vous aurez des flux plus ou moins fluides. Donc, ce que vous remarquez, c'est que l'efficacité de la cuisson est pratiquement... Je ne vous ai pas parlé de taille de grains. C'est-à-dire que les grains soient gros ou petits, il n'y a pas de différence importante. Donc, on peut parfaitement consolider, fabriquer une céramique avec des gros grains. Ça tombe bien, il y a des gros grains dans la terre. D'accord ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Si vous arrivez à friter, enfin à cuire, à fabriquer plutôt les crus de céramique, les préformes, avec ces gros grains, vous avez un empilement granulaire qui est constitué de pores de taille importante, puisque la taille des pores est plus ou moins reliée à la taille des grains, et donc un empilement granulaire au sein duquel les liquides vont pouvoir couler très facilement. On dira que l'empilement granulaire a une grande perméabilité. D'accord ? Maintenant, si on considère le cas des céramiques techniques, alors je vais utiliser le mot technique, je vous dirai peut-être tout à l'heure quelques mots sur les définitions, justement, parce qu'il y a quelques confusions, à mon avis. Dans ce cas-là, les solides sont cristallisés. Il peut, au cours de la cuisson, apparaître un liquide. Mais ce liquide va tout de suite être extrêmement fluide. Ça veut dire que s'il y en a un petit peu, quelques pourcents en volume, ce n'est pas dommageable. S'il y en a beaucoup, on n'a plus la forme de la pièce. Donc on est limité en quantité de liquide. C'est-à-dire que la quantité de liquide qui va se former ne sera pas suffisante pour combler la porosité. On est limité typiquement à 1 ou 2% si on ne veut pas que la pièce se déforme. Donc, dans ce cas-là, la consolidation, la densification et éventuellement le grossissement des grains résultent
d'un transfert de matière qui est d'une toute autre nature. C'est de la diffusion, c'est-à-dire que les atomes vont se déplacer soit à travers le solide, soit à travers le liquide. Et ce qui est important de savoir, c'est que ce phénomène de diffusion est complètement dépendant de la taille des grains. Il n'existe que si les grains sont petits. C'est-à-dire que si les grains font plus de, je vais dire 10 microns, et c'est déjà beaucoup, quelques microns. Si les grains font plus de quelques microns, il n'y a pas de transfert de matière. Donc il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de frittage, la cuisson est sans effet. Donc vous voyez qu'en céramique technique, on va être limité à utiliser des poudres très fines, de quelques microns maximum, et généralement plutôt des poudres submicroniques. C'est-à-dire que les empilements granulaires qu'on va constituer contiendront des pores de très petite dimension, c'est-à-dire que ce sont des empilements granulaires à très faible perméabilité. Donc d'un côté, les produits à base de terre contiennent des gros grains, sont très perméables, le liquide circule facilement à l'intérieur. De l'autre côté, les matériaux qui sont fabriqués sans terre, ou avec très peu de terre, enfin très peu d'argile, on va dire, parce que sont des produits qui vont être à petits grains, avec une très faible perméabilité, c'est-à-dire une très faible faculté à laisser circuler les liquides. Et c'est de là, c'est de ça que résultent tous les problèmes que nous rencontrons pour fabriquer des céramiques techniques. Alors, quelle va être l'influence de la perméabilité? Si vous voulez, lorsque l'on fabrique une barbotine ou une suspension, nous utilisons nous plus le mot suspension que barbotine, ou lorsqu'on fabrique une pâte, on a un mélange de liquide et de solide. Au cours de l'élimination de ce liquide, il va y avoir une évaporation. Départ de liquide, et au départ, le matériau va se rétracter. On aura ce qu'on appelle le retrait de séchage ou de déliantage. Déliantage, si on a mis des liants, c'est-à-dire si on a essayé, j'y reviendrai tout à l'heure, de conforter un peu notre empilement granulaire, ou séchage. Donc on va avoir une évolution de la situation A jusqu'à la situation B. Lorsqu'on arrive à la situation B, on est dans un cas où les grains solides sont en contact les uns avec les autres. Il ne peut plus y avoir de retrait. Donc à ce moment-là, si on continue à évaporer le liquide, on va vider les pores. On va attendre vers la situation C. En C, on est dans une situation particulière, il n'y a plus de liquide qu'au contact entre les grains. Le liquide, à ce moment-là, contribue toujours à la cohésion de l'empilement granulaire. D'accord ? Si vous éliminez ce liquide, vous allez revenir à un empilement granulaire sans cohésion. Donc vous voyez qu'au cours d'un séchage, si vous continuez le séchage jusqu'en D, ben vous ne pouvez plus manipuler la pièce. Si vous devez manipuler la pièce entre le séchage et la cuisson, il est important de garder un petit peu de liquide pour assurer la cohésion du système. Typiquement 1 ou 2%, hein, pour assurer la cohésion. Sinon, vous n'avez plus de cohésion. Ce qui est problématique, ce n'est pas ces problèmes de cohésion, parce que quand on y est confronté, on trouve la solution tout de suite. Ce qui est problématique, c'est qu'au cours du séchage, il y a souvent apparition de fissures. Alors, juste un petit mot par rapport à l'apparition de ces fissures. Ceux qui font des céramiques savent, enfin, ont l'habitude de considérer que s'il y a des fissures, il faut sécher plus lentement. En réalité, vous n'avez pas besoin de sécher plus lentement pendant toute la durée du séchage. La zone critique, c'est la situation B. D'accord ? C'est à la fin du retrait de séchage que se forment les fissures. Et c'est dans cette zone-là qu'il faut ralentir au maximum le séchage, on verra tout à l'heure pourquoi, pour éviter la fissuration. Alors, je vais être obligé de vous montrer quelques formules physiques pour que vous compreniez simplement l'influence des paramètres. Non, rassurez-vous, on ne va pas la discuter, simplement l'influence des paramètres. Si vous voulez, au cours du séchage, le liquide coule dans les pores du solide. Cet écoulement génère une contrainte. Cette contrainte est proportionnelle à un certain nombre de paramètres que j'ai représentés ici et que j'ai traduits en langage application. Donc vous voyez, elle est proportionnelle à la vitesse de vaporisation. Plus vous séchez vite, plus la contrainte est forte. D'accord ? Si vous voulez diminuer la contrainte, on ralentit le séchage. La deuxième variable qui est ici, c'est la viscosité du liquide.
Dans le cas des céramiques à base de terre, le liquide présent est de l'eau. Dans le cas des céramiques techniques, l'eau, est, comme on a vu tout à l'heure, a un effet, ne permet pas d'obtenir des pâtes plastiques. Donc on va remplacer l'eau en partie au moins par des liants organiques qui, eux, seront beaucoup moins visqueux. Sont beaucoup plus visqueux, pardon, beaucoup moins fluides. Donc on est déjà désavantagé parce que la viscosité est plus importante. Elle, ici, c'est la longueur de transfert du liquide. Alors si vous préférez, traduit en phénoménologie, c'est l'épaisseur de la pièce dans la direction perpendiculaire à la surface d'évaporation. D'accord ? Plus la pièce est épaisse, plus ça fissure. Alors je pense que toute personne qui a fait des céramiques le sait. Hein ? Alors, par contre, cette contrainte est aussi inversement proportionnelle à la perméabilité. Et là, je vous rappelle, les céramiques à base de terre, faible perméabilité, donc contrainte faible, les céramiques à base de poudre de synthèse ou de poudre micrométrique, oui, faible perméabilité, donc forte contrainte. Donc vous voyez que la différence essentielle, c'est que nous sommes en céramique technique désavantagés par la combinaison du paramètre viscosité et du paramètre perméabilité. Il y a forcément des contraintes beaucoup plus importantes. Et quand on dit beaucoup plus importantes, ça peut être 100 à 1000 fois supérieur. On n'est pas du tout dans le même domaine. Alors, par contre, il y a des choses quand même qui nous avantagent un petit peu. C'est que ce n'est pas parce qu'il y a une contrainte qu'il y a une fissure. Pour que la contrainte crée une fissure, il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Et ces conditions, si vous voulez, il faut que la contrainte soit supérieure au rapport qui est indiqué ici. Bon, on ne va pas négocier le rapport, on va pas discuter le rapport, on va évoquer ce que représente chacun de ces deux paramètres. Le paramètre K1C qui est au numérateur, c'est la ténacité du matériau. Alors la ténacité, c'est une grandeur qui est un peu difficile à définir, mais parce qu'en fait, c'est une réponse dynamique à une contrainte. Donc, vous pouvez vous considérer que c'est la force de la liaison. On a des empilements granulaires qui ont des ténacités extrêmement faibles, c'est-à-dire très peu de cohésion. Donc, tout ce qui renforce la cohésion va renforcer la ténacité. Donc, pour augmenter la ténacité de nos matériaux, on va utiliser des liants, qu'on va dire des liants relativement durs, c'est-à-dire des liants qui vont coller bien les grains les uns aux autres. Mais ce sont des produits organiques qu'il faudra éliminer par la suite. Donc on est condamné en céramique technique à utiliser ces liants simplement pour augmenter la ténacité de l'empilement granulaire et de pouvoir éliminer les liquides. Alors l'autre paramètre qui apparaît au dénominateur, c'est la taille du défaut critique. Alors la taille du défaut critique, c'est la taille du plus gros défaut que vous avez dans l'empilement granulaire. Ce n'est pas le défaut moyen, c'est le plus gros. Ce qui veut dire que si on veut diminuer cette taille, il faut qu'on tende vers les empilements les plus parfaits possibles. Tout à l'heure, Thierry Chartier a évoqué des taux de charge de ces suspensions. Il parlait de 50, voire 60%. Bon, ce ne sont pas des taux qui sont généralement atteints pour des céramiques à base de terre. On est obligé d'avoir des suspensions beaucoup plus chargées, c'est-à-dire contenant beaucoup plus de solides, et pour justement avoir le minimum de défauts critiques. Donc, si vous voulez, ces deux paramètres-là, il est plus facile dans des poudres fines où tous les grains ont à peu près la même taille d'avoir un empilement parfait que dans un mélange hétéroclite comme une terre. Néanmoins, on n'arrive pas à compenser en jouant sur ces deux paramètres la différence qui vient du taux de contrainte. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que pour les céramiques techniques, l'utilisation d'une méthode de mise en forme qui utilise une pâte ou qui utilise une suspension, on l'évitera chaque fois qu'on pourra. C'est-à-dire qu'en céramique technique, on a longtemps et même encore privilégié le pressage, puisqu'on s'évite ces problèmes d'extraction des liants, des liquides. D'accord ? Donc, autant pour les terres, la voie la plus simple à mettre en œuvre, c'est la suspension et la pâte. C'est la plus simple. Pour les céramiques techniques, c'est une voie extrêmement difficile qui s'est développée à travers le développement de nouveaux procédés dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de recherches pour arriver à maîtriser cette technologie-là. Donc on est vraiment dans deux problématiques différentes en termes de mise en forme. Alors, il existe une autre origine du séchage. Bon, je vais vous en parler parce que peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler de ce schéma qui cherche à la représenter. En fait, dans les matériaux à base de terre,
vous avez une distribution de taille des capillaires. Comme il y a une distribution de taille des grains, vous avez une grande différence de taille de grains, vous avez des capillaires très fins et des capillaires très gros. Si vous faites un séchage dans des conditions pas très appropriées, vous allez avoir une vidange des pores de grande dimension, alors que vous aurez, les pores de grande dimension seront vides, excusez-moi, et les pores de petite dimension sont encore pleins. Donc vous allez vous trouver dans une configuration macroscopique qui ressemble à ça. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? À l'intérieur du port vide, la pression, c'est la pression atmosphérique. À l'intérieur du port plein, la pression, c'est celle qui est fixée par la dépression capillaire. Donc vous avez une différence de pression à travers la pièce, à courte échelle. Cette différence de pression, c'est une contrainte. Cette contrainte va ou non créer une fissure. C'est-à-dire que vous voyez que si la réponse à cette contrainte, c'est un déplacement, c'est-à-dire si on déplace ces parois par ici et celle-ci par là, on cisaille l'empilement et on crée une fissure au fond du trou. D'accord ? Alors, si vous êtes confronté à ce type de problème, il y a un moyen très simple, vous prenez une argile plastique, vous mettez 2 ou 3% d'argile plastique dans votre mélange et ça contribuera à augmenter la tenacité de votre empilement et donc à éviter ce type de phénomène. En fait, il y a très peu de fissurations qui résultent de ce phénomène-là. Alors, peut-être qu'avant d'aller plus loin, je vais faire un aparté pour vous parler des différents mots qu'on utilise pour qualifier les céramiques. Bon, on parle des céramiques artistiques. Bon, ça, on voit assez bien ce que ça représente. Mais il est souvent commun d'opposer les céramiques traditionnelles aux céramiques techniques. Céramique traditionnelle, pour les gens, c'est les grès, les terres cuites, les faïences, les porcelaines. Alors cette distinction, en fait, n'est pas tout à fait légitime, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a de nombreuses porcelaines, faïences ou grès qui sont des céramiques techniques, c'est-à-dire qui sont utilisées dans le milieu technique. Et pour contourner la difficulté, on a aussi évoqué d'utiliser, parce que le mot traditionnel faisait un peu péjoratif, donc on a remplacé ce mot par conventionnel. Je dirais qu'à part qu'on a changé le mot, on n'a pas changé grand-chose. On a aussi utilisé parfois le mot céramique fonctionnelle. Personnellement, je ne connais pas de céramiques qui n'ont pas une fonction. Mais à la limite décorative. Donc c'est toute une terminologie qui est venue s'empiler en strates, mais qui ne désigne rien. En fait, la seule distinction qui mériterait d'être tenue, c'est celle que j'ai fait ici, c'est-à-dire céramique fabriquée à partir d'un mélange contenant des phyllosilicates, c'est-à-dire de l'argile, et céramique fabriquée à partir d'un mélange ne contenant pas d'argile. Parce que cette distinction-là a un réel sens par rapport à la façon dont on va fabriquer les céramiques. Alors maintenant, pour venir au procédé, Thierry Chartier a évoqué ça tout à l'heure, depuis les années 80 à peu près, il s'est développé énormément de nouvelles applications de céramique. On peut dire en gros que ces nouvelles applications relèvent de 3 types de demandes. La première, développement de nouvelles applications, c'est finalement, on va essayer d'utiliser une propriété remarquable d'un matériau céramique ou d'une microstructure. Alors, je vous ai marqué un exemple ici, qui est un matériau qui existe déjà depuis quelques années. Ce sont des super isolants thermiques qui sont constitués de grains nanométriques de silice, à l'intérieur de laquelle est inclus des grains de zircon. Alors ces matériaux ont des performances tout à fait exceptionnelles puisque ce matériau est plus isolant que l'air. Ce matériau placé dans l'air est plus isolant que l'air. Donc c'est une performance tout à fait exceptionnelle. Dans ce cas-là, en termes de procédé, ce n'est pas extrêmement critique puisque les paramètres critiques, c'est essentiellement la composition et parfois la microstructure. Alors une autre voie de développement, c'est bien sûr en lien avec une application résultant d'un assemblage de plusieurs composants. Alors tout à l'heure, Thierry Chartier vous a parlé des piles à combustible. Moi, j'ai ici reproduit un schéma ancien qui représente une première approche du dispositif. Ce que vous voyez ici, c'est que la difficulté, ce n'est pas tellement les matériaux. Les matériaux qui vont constituer les électrodes ou l'électrolyte sont plus ou moins connus. La difficulté, ça va être de réaliser l'assemblage avec la microstructure voulue. Et donc on voit bien là qu'on a une problématique procédée qui est extrêmement importante. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problématique matériaux, mais on a quand même une énorme problématique procédée. Surtout pour réaliser ça de façon industrielle. C'est-à-dire là, c'est l'assemblage des constituants qui est critique. Alors, autre source de développement des céramiques, c'est l'amélioration d'une fonctionnalité particulière d'un dispositif multimatériaux
par introduction d'un composant céramique. Alors tout ceci est compliqué, je vais vous le résumer très simplement par un exemple. Un fabricant d'équipement automobile veut fabriquer un allume-cigare qui monte en température en 2 secondes. Je vous rappelle aujourd'hui, l'allume-cigare, c'est une pièce métallique entourée de bakélite. Si chauffé en 2 secondes, pose aucun problème. Par contre, il faut pas, la bakélite ne supportera pas une montée en température aussi brutale et à une température incertaine. Parce que vous voyez bien que si on monte en 2 secondes, la température maximale atteinte risque d'être assez aléatoire. Donc, la demande de l'industriel, c'était de remplacer sa bakélite qui ne tenait pas en température par un morceau de céramique. Vous allez réfléchir 2 minutes si vous avez l'habitude de faire des céramiques et vous allez vous demander comment arriver à remplacer la bakélite, bien sûr, sans changer la forme. Ça, c'est très clair. La demande de l'industriel, c'est on remplace le matériau, mais on veut garder la même forme. Sans changer la forme, remplissant ces propriétés-là. Et tout ça, bien sûr, avec un produit qui aurait un coût de 10 centimes d'euros. Bon, donc, c'est des demandes qu'on a. Et très clairement, même si on est capable de faire le matériau, l'interlocuteur que nous avons ne veut pas le matériau dans 2 ans. C'est-à-dire, il n'est pas prêt à attendre qu'on ait fait une étude pour réaliser ce matériau-là. Il veut une réponse immédiate. D'accord ? Donc, vous voyez que dans le développement de ces matériaux-là, la céramique est utilisée comme un substitut. Il n'est généralement pas nécessaire d'en optimiser les propriétés, mais l'enjeu, la plupart du temps, c'est la forme. Disons que c'est la forme, parfois quand même un peu les propriétés, mais surtout le coût. Parce qu'il y a quand même une grande règle qu'il faut savoir, c'est que la céramique est en général le plus cher de tous les matériaux. C'est-à-dire que s'il y a une solution qui n'est pas céramique, elle est moins onéreuse que la solution céramique. Il peut y avoir des exceptions, Thierry me regarde en me faisant les gros yeux, je pense qu'il connaît, il essaie de défendre sa boutique, mais soyons clairs, c'est quand même rarement une solution économique, donc il faut un apport de performance significatif. Maintenant, il faut savoir que c'est l'ensemble, disons, de ces approches, alors il y en a d'autres, j'en ai les 2 ou 3, c'est l'ensemble de ces approches qui sont responsables de la croissance du marché qui a été évoquée tout à l'heure par l'un d'entre vous, qui est d'environ entre 4 et 5% par an depuis 1980. Le marché céramique croît, le marché céramique mondial en chiffre d'affaires croît entre 4 et 5% depuis 1980, régulièrement tous les ans. Et aussi bien celui des matériaux, disons, de grande diffusion, c'est-à-dire des matériaux que tout à l'heure je vous ai dit traditionnels, même si je ne cautionne pas le terme, mais je vais l'utiliser, que pour les matériaux techniques. Alors, qu'est-ce qu'on s'aperçoit finalement ? À quoi a-t-il fallu répondre ? Il a fallu répondre à un besoin de procédé qui permettait d'obtenir des pièces céramiques de dimension maîtrisée, de forme très complexe, c'est-à-dire qui ne pouvaient pas être fabriquées par pressage, et présentant le minimum de défauts microstructuraux à la fin. Tout ceci suppose finalement de travailler sur la préforme de la céramique. C'est-à-dire que ce n'est pas la cuisson qui est critique dans ce domaine, même si ça veut dire qu'il ne faut pas travailler sur la cuisson, mais les progrès ont été réalisés par un travail sur la préparation de la préforme. Et pour améliorer cette préparation de la préforme, il a bien fallu nous résigner à utiliser des pâtes et des suspensions. Donc, il a fallu développer des procédés, malgré les inconvénients que je vous ai indiqués tout à l'heure, il a fallu développer des procédés qui permettaient d'utiliser des pâtes et des suspensions. Alors, les pâtes et les suspensions réalisées sont le principe de construction de ces pâtes et suspensions. Il a été évoqué tout à l'heure par Thierry Chartier. En général, on a une poudre, enfin une ou plusieurs poudres, qu'on va mélanger avec des dispersants. Les dispersants, ce sont des additifs qui vont permettre de minimiser autant que faire se peut les interactions entre les grains, de façon de pouvoir mettre le maximum de grains dans la suspension et d'obtenir à la fin l'empilement le plus parfait possible. On va y ajouter des liants parce qu'on a vu qu'avec l'eau, ça ne marchait pas. Donc, en général, on aura 2 liants, l'un d'entre eux pouvant être appelé solvant et pouvant être de l'eau, mais on aura toujours au moins un liant secondaire relativement dur, c'est-à-dire qui contribuera à la cohésion de l'empilement granulaire. Et puis on va ajouter un autre organique qu'on va appeler un plastifiant qui sert simplement à modifier le liant pour régler la rhéologie du système, pour avoir une viscosité qui soit compatible avec le procédé qu'on va utiliser. Et ces mélanges, on va les utiliser principalement dans des procédés d'injection et des procédés d'extrusion. Alors,
Pour que vous voyez un petit peu la différence entre l'approche céramique traditionnelle et l'approche céramique technique, je vous ai présenté ici trois compositions de pâte utilisées pour l'extrusion. Alors, c'est le cas où il y a le moins de différence entre les deux types de matériaux. La première composition ici, ce sont des grès. Ce sont des grès. Vous remarquez qu'on arrive à mélanger, à faire une pâte qui contient seulement 36% de liquide. On est donc là dans des pâtes qui sont extrêmement dures, c'est-à-dire des pâtes qui vont être extrudées avec des pressions très très fortes. Typiquement, les pressions qui sont utilisées, par exemple, pour faire des briques. Une petite remarque, certains d'entre vous ont peut-être été surpris que je classe la kaolinite parmi les argiles. Alors, je m'en excuse, mais j'insiste. Il est vrai que la kaolinite, en général, n'est pas constituée de grains de taille inférieure à 2 microns. Enfin, il y a des kaolinites qui ont des grains inférieurs à 2 microns, mais pas toutes, et majoritairement, ce n'est pas le cas. Elles sont agglomérées sous forme de grains qui sont un peu plus gros. Mais le comportement des kaolinites est celui d'une argile, est assimilable à une argile. C'est-à-dire, ça donne de la plasticité, ça donne de la cohésion. Hein, même si ça donne moins de plasticité et moins de cohésion que des argiles plus fines. Néanmoins, son comportement est assimilable à une argile. La deuxième composition qui est ici, c'est une composition d'extrusion d'un carbure de silicium. Alors, vous remarquez qu'il y a cette fois de l'eau. Il y a 50% en volume. Les pourcentages sont volumiques. Hein. Excusez-moi, je ne voulais pas préciser. Il y a 50% en volume de carbure de silicium. Mais vous voyez qu'il y a deux autres composants. Une cellulose et un polyéthylène glycol qui vont jouer le rôle de liant dur et de plastifiant. Alors, autre composition d'extrusion, cette fois, il n'y a pas d'eau. Vous avez une poudre de zircone, 55% en volume de poudre de zircone, ça commence à devenir conséquent. 30% de paraffine et 15% d'acide stéarique. On a là deux produits organiques qu'on va assimiler à des liants différents et qui vont permettre d'avoir à la fois la cohésion et la rhéologie de la pâte. La pâte de zircone qui est présentée ici a été utilisée pour faire des ressorts en céramique. Alors, vous avez ici deux photos de ressorts. C'est des ressorts anciens, c'est un travail d'étudiant, je crois. Enfin, bon. On peut toujours les mettre en avant. C'est des ressorts qui fonctionnent en compression. Et l'intéressant, c'est que si ce ressort a une certaine élasticité, c'est parce que, en fait, les grains de zircone qui sont dans le ressort sont de très, très petite taille. On est dans des grains qui sont submicroniques, qui sont moins d'un micron de taille. Et dans ce cadre-là, un produit rigide peut présenter une certaine élasticité. Mais bien sûr, il ne faut pas s'amuser à tirer dessus. Hein. On peut simplement appuyer. Et si vous appuyez, si vous lâchez, il revient à sa forme initiale. Alors, une autre méthode qui a été développée il y a déjà une vingtaine ou une trentaine d'années, qui est utilisée dans l'industrie, c'est l'injection basse pression. Dans ce cas-là, la pâte est fabriquée en utilisant un liant qui est solide à température ambiante et qui va fondre au-dessus d'une certaine température. Donc, on va porter le liant à une température où il est liquide, on va introduire la poudre dans le liant, on va introduire aussi les dispersants nécessaires, de façon d'obtenir une suspension chargée, très chargée. On va maintenir cette suspension à une température supérieure à la fusion, de telle sorte qu'elle se comporte comme un liquide visqueux, et on va l'injecter dans un moule. Une fois injecté dans un moule, on refroidit l'ensemble à une température inférieure à la température de fusion. On obtient à ce moment-là une pièce solide, constituée du liant solide et de la poudre. On peut donc démouler sans problème et manipuler la pièce. Il nous restera à éliminer le liant, c'est-à-dire à délianter, opération qui est assimilable à du séchage avec l'eau, puis à cuire l'ensemble, c'est-à-dire à friter. Dans notre terminologie, on appelle ça friter. Alors, ici, je vous ai mis un exemple de produit qui a été fabriqué. C'est des cylindres du O2 de combustible nucléaire qui ont été fabriqués. Alors, il faut savoir, alors je vous dirai après les caractéristiques du matériau. Les conditions d'injection, donc c'était une suspension qui contenait 64% en volume d'oxyde d'uranium. C'est énorme, hein, 64% en volume d'oxyde d'uranium. La limite théorique, c'est 66%. Elles ont été injectées à 65 degrés sous une pression très faible, 0,8 MPa, c'est-à-dire 8 atmosphères, 8 fois la pression atmosphérique.
Et l'injection se faisait à 65 degrés, la température de fusion de la paraffine, fusion entre guillemets, c'était 52 degrés. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les pièces qu'on obtient par ce procédé, on a un contrôle dimensionnel sur ces pièces tout à fait exceptionnel. C'est-à-dire que c'est des cylindres qui faisaient 1 cm de diamètre et à peu près 1 cm de hauteur, et on avait un contrôle sur le diamètre, sur l'ensemble de la pièce, qui était mieux que 20 microns. Là, on arrive à faire des pièces dont le retrait est totalement contrôlé. C'est un des procédés, d'ailleurs, qui le permet le plus facilement. Je parle sous le contrôle de Thierry, mais... Alors, autre procédé qui utilise une suspension, c'est le coulage-coagulation. Le coulage-coagulation, on prépare une suspension, ou une pâte, enfin une suspension. Dans cette suspension, il y a des réactifs qui vont réagir lentement. Au cours de la réaction, la suspension qui a été complètement dispersée, c'est-à-dire qui était dans des conditions où les grains n'avaient aucune interaction entre elles, va devenir coagulée du fait de la modification de certains paramètres physico-chimiques, par exemple le pH. Quand l'ensemble est coagulé, on a une pièce qui a une tenue mécanique qui peut être manipulée. Alors il y a ici toute une liste de produits qui peuvent être utilisés pour réaliser le coulage-coagulation, c'est pas la peine, je ne vais pas vous en parler plus longuement. Je vais vous montrer par exemple comment ça se passe. Donc vous préparez votre barbotine, là c'est le cas de l'alumine, on prépare une barbotine d'alumine, vous introduisez dans cette barbotine les réactifs qui vont réagir lentement après coulage, vous coulez dans un moule, vous attendez le temps nécessaire pour que la réaction ait lieu. Dans ce cas-là, le pH va passer progressivement d'une valeur de 4 qui correspond à un état dispersé à une valeur de 9 qui correspond à un état coagulé. Ce changement de pH est dû à la décomposition de l'acétate d'aluminium. Et vous allez, après avoir récupéré la pièce donc consolidée, il va falloir, comme d'habitude, délianter ou sécher et friter. Voici quelques exemples de pièces qui ont été obtenues. Les pièces d'alumine qui ont été obtenues, là la température est de 60, là, c'était les coagulations avaient lieu à 60 degrés, la durée de coagulation était de 2 heures. Alors, si vous, peut-être le savez-vous pas, on peut faire exactement la même chose avec du kaolin. Si vous faites une suspension de kaolin et que vous introduisez dans ce kaolin des réactifs qui vont libérer des ions ferriques, c'est-à-dire des ions fer, vous obtiendrez progressivement une coagulation analogue à celle qui est décrite ici. Alors, je voudrais juste insister, lorsque l'on fait du coulage de suspension, on a aussi une coagulation. Dans tous les procédés de coulage, à partir de terre, vous avez une coagulation. Mais cette coagulation, elle est liée, en moule poreux, vous avez une coagulation. Cette coagulation, elle est liée au fait que vous extrayez l'eau de la suspension. Et en fait, le gâteau que vous obtenez à un volume réduit par rapport au volume de suspension utilisé. Il est simplement, c'est quelques centimètres ou quelques millimètres d'épaisseur le long du moule. Dans le cas de la coagulation par les ions ferriques, le volume de la pièce coagulée est le même que celui de la suspension. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'extraction d'eau. D'accord ? C'est pas le coulage habituel. Alors, cette coagulation est utilisée pour faire des produits poreux, notamment par exemple des membranes de filtration. On utilise la coagulation par le fer, du kaolin par le fer, pour faire des membranes de filtration. Alors, autre procédé qui lui est un peu plus ancien, c'est le coulage en bande. J'en ai parlé parce qu'il peut être intéressant pour des raisons. Il peut être relativement utilisé, facilement utilisé dans le monde artistique. Alors, le coulage en bande, bon, comme d'habitude, on prépare une suspension. Alors là, qu'avec des organiques, une suspension très chargée. Le dispositif de coulage en bande, vous l'avez ici. Donc, vous avez un socle parfaitement plat sur lequel est déposé un film plastique. Vous avez ici ce qu'on appelle un sabot de coulage, qui est une enceinte à l'intérieur de laquelle vous allez introduire la suspension. Ce sabot de coulage a une fente en bas par laquelle va s'échapper la suspension. L'épaisseur de cette fente est réglée par deux couteaux. Donc une fois que la barbotine est introduite dans le sabot de coulage, il vous suffit de déplacer lentement le sabot de coulage pour étaler sur le film plastique une couche de pâte céramique. Cette couche de pâte céramique, enfin, à ce stade-là, ce n'est pas une pâte, hein, c'est encore quelque chose qui n'a pas beaucoup de tenue mécanique. L'opération suivante, ça va être d'évacuer le liant le plus volatile, c'est-à-dire qu'on appelle le solvant, pour garder que la partie
résiduel du liant, qui est en général quand même qui représente un volume relativement important. À ce moment-là, vous récupérez un film qui est totalement déformable. C'est-à-dire, vous pouvez le tordre, vous pouvez le froisser, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que le liant est encore présent dedans. Une fois que vous l'avez tordu comme vous voulez, vous pouvez le délianter, le friter, il gardera la forme que vous lui avez donnée. Alors, ce n'est pas aussi simple que je vous le décris, mais il faut travailler un peu pour améliorer les choses. Hein? Mais on peut arriver à faire des pièces qui ne sont pas des feuilles. On peut arriver à faire des choses tordues. D'ailleurs, je vous en montrerai une tout à l'heure. Alors, l'épaisseur des bandes qu'on peut réaliser, je vais prendre deux valeurs extrêmes. C'est typiquement 25 microns, la valeur la plus faible, avec des films qui vont être extrêmement souples, très, très malléables. Et on peut aller à peu près jusqu'à 2 mm. Où là, évidemment, on aura plus de mal à le déformer. Et on peut aussi faire des bandes de ciment, par exemple, ou des choses comme ça, par ces procédés. Alors, ça, ce sont les principaux procédés qui utilisent des suspensions et des pattes. Maintenant, je vais vous parler des procédés de prototypage. Alors, je vais plus ou moins répéter ce qu'a déjà dit Thierry Chartier, mais il y a entre nous un grand désaccord. Moi, je suis vieux, j'appelle ça des procédés de prototypage. Lui est jeune. Tu appelles ça des technologies additives. Donc, je vais garder ma terminologie à moi. Alors, pourquoi je laisse à la nouvelle génération le droit d'utiliser l'autre? Alors, pourquoi utiliser des procédés de prototypage? Ben, tout simplement parce que, tout à l'heure, quand je vous ai dit quelles étaient les pistes de développement des céramiques, je vous ai dit qu'on avait besoin de prototypes. C'est-à-dire qu'on avait besoin de répondre à une demande, de fabriquer des céramiques d'une forme bien précise, presque instantanément, très rapidement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas l'industriel n'avait pas nous laissé le temps de faire une étude pour pouvoir réaliser notre objet. Donc on a besoin d'équipements capables de réaliser différents prototypes ou des petites productions. Et tout ça en utilisant un seul équipement. Le deuxième besoin, c'est aussi la nécessité de faire des pièces complexes avec des architectures particulière. Troisième besoin, faire des pièces miniaturisées, c'est-à-dire de très petites dimensions, avec des dimensions bien contrôlées. Et enfin, bien sûr, faire des composants multimatériaux, c'est-à-dire qu'on aimerait bien que ces équipements-là puissent travailler aussi bien avec du métal, avec du polymère, qu'avec de la céramique, ou du ciment, ou du verre. Alors, le principe du procédé de prototypage, je vous le rappelle rapidement, Thierry l'a à peu près décrit. Donc, l'idée, c'est d'associer plusieurs technologies comprenant toujours un ou plusieurs dispositifs mobiles capables de déposer de la poudre ou transformer une poudre à une très petite échelle. Donc, le principe, vous avez un objet tridimensionnel, un modèle tridimensionnel qui peut être un objet réel ou un schéma, enfin un dessin, que vous allez transformer, que vous allez donc, à partir d'un traitement informatique, découpé en sections. À chacune des sections, vous allez avec chacune de ces sections, vous allez fabriquer un fichier. Ce fichier va être utilisé ultérieurement pour fabriquer la pièce couche par couche. Alors le principe, donc, l'épaisseur du fichier, c'est l'épaisseur de la technologie qu'on va utiliser pour fabriquer la céramique, enfin l'épaisseur réalisable. Donc vous avez la pièce. La transformation de la pièce en fichier représentant les différentes sections, puis une technique de dépôt ou une technique tout au moins physique qui va permettre de réaliser chacune de ces sections les unes après les autres. Donc on va reconstituer la pièce en trois dimensions. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Thierry a parlé tout à l'heure de la stéréolithographie, donc il vous en a donné le principe. Donc le principe, je vais vous rappeler très rapidement, le laser qui est ici, va servir en fait à polymériser un monomère ou un polymère à chaîne courte. Donc vous avez au départ un mélange de monomère et de poudre ou de polymère à chaîne courte liquide et de poudre. Et par action du laser, par action ponctuelle du laser, selon un déplacement qui est commandé par le micro. Excusez-moi, je vais aller vite et ça ne va pas mieux. Donc, en gros, un laser, un miroir galvamétrique qui peut déplacer le rayon laser, c'est-à-dire le laser se réfléchit sur le miroir
et le déplacement du miroir va permettre de déplacer le faisceau laser sur l'objet. Hein ? Vous avez un support, du liquide, une couche de liquide se dépose sur le support. Le laser, le fichier, selon les indications du fichier, le miroir et le laser vont agir de façon cohérente pour polymériser le polymère là où il est nécessaire de le faire pour que la section soit réalisée. Bon, j'espère que vous avez compris. Donc, une fois que vous avez réalisé la... Non, mais en fait, vous voyez, je vous montrerai tout à l'heure une image. Excusez-moi. Mais je me suis paumé parce que j'ai voulu aller vite. Et... Donc, une fois que la première couche est réalisée, on passe au deuxième fichier, on fait la deuxième couche. Et comme vous l'a dit Thierry, à la fin, on a réalisé la préforme de la pièce. On va la retirer, c'est-à-dire qu'on va retirer la partie solide en évacuant le liquide. Et cette partie solide, une fois retirée, va être déliantée et fritée. Il faut savoir que dans ce cas-là, l'étape critique... C'est le déliantage, c'est l'élimination du polymère, hein, qui est vraiment l'étape la plus difficile. Alors voilà deux pièces, je ne sais pas si tu ne l'as pas montré. Voilà deux pièces qui ont été réalisées par une entreprise qui s'appelle 3D Céram à Limoges, donc des buses d'extrusion. Donc vous remarquez ici que les trous sont de très petites dimensions et un engrenage en alumine. Alors un autre exemple de procédé de prototypage, c'est l'impression 3D dont Thierry vous a parlé tout à l'heure. Alors ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vous décrire le procédé. Donc ce sont des buses, on envoie de l'encre. Ce que je vais simplement vous montrer la photo, parce que celle qu'il a montrée tout à l'heure n'était pas tout à fait visible. Je ne sais pas si elle l'est plus. Voilà un objet qui a été fait. C'est un composant céramique piézoélectrique. Je crois que c'est le même que tu as voulu montrer, mais l'image était piézoélectrique pour une application ultrasonore. Autre procédé, c'est le prototypage rapide par frittage laser sélectif. Donc cette fois, tu l'as décrit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire cette fois, on amène la poudre sèche, couche par couche sur le support, et on a un laser qui va simplement permettre un début de frittage entre les grains, c'est-à-dire un début de consolidation sous l'effet de la température. Donc, le phénomène se présente comme ça. Voici le modèle, voici le fichier d'une section, et vous voyez ici une section, la photo d'une section en train d'être réalisée. D'accord ? C'est-à-dire vous avez le dépôt de poudre. Vous voyez la partie qui a déjà été réalisée et vous voyez les deux points brillants qui représentent l'endroit où le laser est en train d'intervenir. À la fin, vous avez une pièce donc, que vous retirez, qui est une pièce consolidée, qui est manipulable. Elle n'est pas frittée au sens stricto sensu, c'est-à-dire qu'elle n'est pas densifiée, elle est juste consolidée. Et on l'introduit, on lui fait subir un traitement thermique pour en faire la pièce finale. Alors, quelques pièces qui ont été fabriquées par ce dispositif dans une entreprise qui s'appelle Phoenix System. Vous avez ici un échangeur thermique en stéatite, là, des écrous en mullite. Et en fait, une des grandes applications de ce procédé, c'est en chirurgie dentaire, c'est en prothèse dentaire. Parce qu'il est très, très bien adapté à la fabrication de dents à partir de moules. Les dents sont chaque dent étant unique. Là, on a une application qui est, je pense qu'aujourd'hui, c'est la principale application de ce procédé. Alors, un exemple, je vais citer, tu as montré un morceau d'os, je vais en montrer un autre. Il faisait partie de la même série. Donc ici, c'est un os synthétique obtenu en combinant le coulage en bande, le prototypage rapide assisté laser et le frittage. Donc, vous voyez, c'est une pièce en céramique qui est utilisée comme substitut osseux pour la réparation crânienne. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que la précision de la découpe, la précision des bords de la pièce, quoi. On épouse vraiment les bords du crâne restant. Hein. On a vraiment un système où l'emboîtement est presque parfait. Alors, il existe aussi des procédés de prototypage 2D qui sont plutôt destinés à la décoration. Donc le principe est à peu près le même. Là, vous voyez, ce sont des carreaux qui ont été décorés. C'est un ensemble de carreaux qui a été décoré. Le principe est à peu près le même, sauf que cette fois, chaque fichier correspond à une couleur. Là, on construit pas en 3D, on construit en 2D, donc chaque fichier va correspondre à une couleur. Donc il y a un passage par couleur. Alors ça, c'est des décorations personnalisées qui ont été obtenues donc, par ce procédé, par Cerinov. Je crois qu'il y a ici une personne qui travaille chez Cherinov. Donc, en conclusion, depuis une trentaine d'années, de nombreux procédés de mise en forme ont été développés
pour obtenir des composants céramiques de structure et ou de microstructure maîtrisées, de forme complexe, à partir de poudre à grains fins. Alors, les procédés de prototypage sont particulièrement adaptés à la production de petites séries ou d'objets de céramique unique, c'est-à-dire d'objets d'art. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que l'application de ces procédés dans le domaine de la céramique d'art est possible. Non seulement il est possible, mais il a déjà débuté. Je peux vous montrer quelques objets. Voici, par exemple, des objets qui ont été donc réalisés sur des dessins proposés par des designers, qui ont été par imprimante 3D. Ces pièces ont été réalisées, c'est Axiatech. Alors, ce sont des objets qui sont soit en céramique, soit en ciment. Ce qui est important et qui est surprenant, c'est que la surface que vous voyez qui a l'air émaillée, ce n'est pas de l'émail, c'est un ciment coloré. Autre objet, donc, de la même famille. Alors, il y en a un qui est, à mon avis, pas particulièrement remarquable, enfin, c'est mon goût et peut-être pas le meilleur, c'est le rose, qui est actuellement exposé, je crois, au Musée d'art décoratif à New York. Alors, autre, dernier exemple que je voudrais, qui relève, à mon avis, aussi de la céramique d'art, c'est des exemples de mosaïques personnalisées réalisé à l'aide d'une imprimante 2D. Alors, je ne sais pas si sur la photo en haut, vous voyez l'aspect céramique, l'aspect mosaïque, mais en réalité, la pièce, si la visibilité dans la pièce était bonne, vous apercevriez que c'est une juxtaposition de petits carreaux de couleur blanche et noire, séparés par une fine couche de ciment. Donc, le principe de la réalisation de ces pièces est simple, enfin simple. Au départ, on réalise un carreau de grès. Ce carreau se présente comme vous l'avez sur la figure du bas, c'est-à-dire qu'il est constitué d'un ensemble de secteurs qui sont séparés par des sillons. Voilà. Les carreaux, la forme des carreaux est calculée. Ce n'est pas une forme rectangulaire, c'est une forme en zigzag. La forme des carreaux est calculée pour qu'ils puissent s'emboîter les uns dans les autres et que le sillon que va représenter le joint soit exactement semblable au sillon qui est dessiné sur le carreau. Suite à ça, vous avez une image est numérisée, l'image que vous souhaitez, votre photo, un dessin est numérisé, et l'imprimante, une imprimante 2D, très semblable à une imprimante, traditionnelle, va déposer un mélange d'émail sur chacun des secteurs ici, et chacun des secteurs n'aura qu'une couleur, d'où l'aspect. Donc, si vous voulez, chaque secteur correspond à un pixel de la photo. Alors, une fois que, donc, si vous voulez, on fait la céramique, on dépose l'émail coloré. Par un procédé qui est vraiment très très semblable à une imprimante classique, et il y a ensuite une cuisson d'émail qui va permettre d'obtenir l'aspect que vous avez ici. Par exemple, dans cette céramique là, eh bien, il y a des tesselles noires et des tesselles blancs. Alors, on peut faire des pièces aussi beaucoup plus complexes. Je ne sais pas si ici on ne voit pas grand chose, j'ai peur, mais ce sont des photos qui ont été transformées en mosaïque. Et alors, ce que j'ai oublié de vous dire quand même, c'est que pour obtenir l'aspect mosaïque, une fois que les carreaux sont posés, on les recouvre d'un ciment qui va combler tous les sillons qu'il y avait tout à l'heure et les joints. Et c'est le comblement de ces sillons, bien sûr, qui va donner l'aspect mosaïque. Donc, vous avez là un procédé qui permet de réaliser à la demande des mosaïques de grande dimension. On peut réaliser. J'ai fini. Voilà, je vous remercie. Oui. J'ai une première question sur le processus de laser qui vient chauffer pour
Qui va chauffer les grains, oui. Ouais, chauffer les grains dans la pression. Pourquoi a-t-on besoin de friter ensuite? Pourquoi le laser ne pourrait pas parce directement que le, friter parce la pièce? Parce que l'énergie du laser n'est pas suffisante pour entraîner un transfert de matière suffisamment important pour densifier. Mais est-ce qu'on il faudra un temps très très long. Est-ce qu'on peut imaginer dans le futur que ça puisse être le cas? Est-ce qu'il y a un intérêt à éviter la deuxième... De fabriquer une pièce dense par frittage laser sélectif, directement sans frittage derrière. Je pense que ça aura un coût très élevé. Il n'y a pas d'intérêt. Non, on ne peut pas. On peut pas. Il y a un blocage technologique. C'est quand vous frittez une pièce, comme on a dit, il y a un retrait. Ouais. Donc si vous densifiez une couche, elle va prendre son retrait. Vous rajoutez une couche dessus qui va prendre un retrait et adhérer une couche qui aura déjà pris son retrait, donc ça va fissurer. Il ne peut pas y avoir une couche qui est retirée. Qui est son retrait, l'autre qui l'est pas. Donc il faut se limiter juste au pontage entre les grains. Donc on fait de la consolidation. À retrait pratiquement zéro. Quoi. Voilà. Bonjour. Je voulais vous remercier et puis savoir qu'est-ce qui animait votre recherche. Est-ce que c'est une... Qu'est-ce qui animait votre recherche à chacun? Est-ce que c'est une demande des industriels? Est-ce que c'est des choses qui vous animent vous et vous dites tiens j'ai envie de chercher ça, comment est-ce que on... voilà, parce que je trouve qu'il y a tout le monde pourra répondre à cette question, mais moi je pense qu'il y a les deux. Alors quand on est chercheur et qu'on a une idée, c'est vrai qu'il y a un caractère non prédictible. Quand on développe un procédé par exemple, on peut ne pas avoir du tout d'application en tête, quoi. Et ça a été le cas pour le développement des technologies additives au prototypage rapide. Je répète. Non. En fait, on appelait ça prototypage au début parce que c'était vraiment pour fabriquer une pièce unique. Et là, ça a été étendu à la fabrication de pièces. Donc, la recherche, ça a un caractère non prédictible. Donc là, on a une idée, on développe l'idée. Alors, on peut aller dans le mur, hein, ça c'est clair. Il y a une prise de risque. Donc, et ça, c'est important pour un laboratoire pour se ressourcer et pour développer des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, etc. Mais aussi, on est tiré d'un autre côté par l'application, parce que quand un industriel vient nous voir, il dit voilà, moi j'ai un besoin, est-ce que vous avez les compétences à mettre en place pour me rendre service? Donc là, c'est un peu du top-down, quoi. Donc il y a les deux approches, bottom-up, top-down, quoi. Donc moi, je répondrais qu'il y a vraiment les deux. Il n'y a pas de dichotomie entre recherche dite fondamentale amont et recherche appliquée. C'est quelque chose qui doit se mener en parallèle tous les jours. Je vais me permettre d'ajouter un complément. Si vous voulez, globalement, quand on fait de la recherche, on se pose quand même toujours un peu plus ou moins à quoi ça va servir. Donc il est commun, comme nous travaillons avec des industriels, il est commun de discuter avec des industriels et d'essayer d'identifier leurs problèmes futurs. Parce que notre intérêt à nous, si nous voulons vendre notre recherche, c'est d'avoir développé au préalable les connaissances dont ils auront besoin dans 2 ou 3 ans. Donc une des démarches, ça consiste aussi à essayer de comprendre de quoi vont-ils avoir besoin, de façon que nous puissions travailler en interne pour acquérir les connaissances que nous pourrons leur vendre ultérieurement le jour où ils en auront besoin. Donc cette dichotomie entre recherche fondamentale et recherche appliquée, elle est quand même très difficile à faire. Et je pense que dans tous les secteurs, nous on est dans des secteurs qui sont très industriels. Donc c'est clair qu'on va chercher l'information chez les industriels. Mais vous avez d'autres secteurs où vous irez chercher l'information ailleurs. Mais clairement, on ne va pas se lever le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, je vais faire des champignons. » Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si on lance un projet de recherche, qu'il y a bien quelque part, de notre point de vue, quelqu'un que ça va intéresser. En gros, enfin, tout au moins dans des secteurs aussi technologiques que les nôtres, on est toujours dans cette dualité. Mais il est important pour les laboratoires de ne pas faire que de la recherche industrielle. Parce que si nous ne répondons qu'aux desiderata des industriels, nous ne développons pas en interne les connaissances dont nous aurons besoin ultérieurement pour eux. Hein, c'est très important de développer les connaissances en amont du besoin. Oui, je voulais savoir, est-ce que dans le cadre du prototypage, vous avez essayé de faire des... Alors je ne sais pas par quel procédé, le laser ou autre, une injection de type pâte égyptienne pour aller au frittage avec directement les mailles dedans ou quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le cadre du prototype, enfin des imprimantes 3D, est-ce que vous avez déjà essayé de faire dans la pâte ce qu'on pourrait appeler la pâte égyptienne avec déjà un émaillage qui serait inclus dans la pâte pour pouvoir aller au niveau du décor de la pièce faite? On peut faire le décor intervient en dernier.
Oui, vous ne le faites pas, vous l'incluez pas dans votre pâte. La dernière couche peut être une couche de décor. Il suffit de changer la nature de la pâte. Mais ça suppose que votre pièce soit déjà fritée, densifiée. Or, vous avez vu que dans nos procédés de prototypage, en général, on fait un prototype, c'est-à-dire qu'on fait une préforme. Dans la majorité des procédés de prototypage, on fait une préforme. Donc on ajoute le décor une fois que la pièce est passée de l'état de préforme à l'état de pièce. Ouais, je ne sais pas si je suis claire quand je parle de pâte égyptienne, mais en tant que... Non. Je ne suis pas claire parce que... On ne sait pas ce que c'est. Oui, enfin disons que c'est une sorte de pâte dans laquelle l'émail est inclus, en fait, et qui s'auto-émaille au fritage, en fait. Le tesson est coloré. Mais en fait, ce n'est pas le tesson, c'est la matière première en elle-même qui est, dans laquelle est intégrée une phase... On peut parfaitement le faire, oui, bien sûr. Ouais. On peut parfaitement le faire. Ça ne pose pas de problème. Puisque, si vous voulez, là, on n'est pas dans l'émaillage. On n'est pas dans l'émail, c'est quelque chose qu'on ajoute au-dessus de la céramique. Absolument. Oui, tandis que là, si c'est de la coloration à l'intérieur de la pièce, ça peut parfaitement être fait. On peut parfaitement travailler, non pas avec un matériau unique, mais avec un mélange. Oui, d'accord. Hein? Enfin, on peut. C'est plus ou moins facile, mais ça doit être possible. Alors moi, j'ai plus des questions autour de la cuisson et des nouvelles énergies. Vous en avez un tout petit peu parlé par rapport à aussi une préoccupation écologique de trouver d'autres façons de cuire et de monter en température. Donc vous avez abordé l'idée de biomasse, je crois, pour cuire. Et qu'en est-il aussi du solaire? Est-ce que c'est quelque chose qui un jour existera? Moi, je vais bien répondre sur le solaire. Je crois dans un pays comme l'Espagne, c'est quelque chose qui s'intéresse. Le problème avec le solaire, je dirais, c'est la reproductibilité du procédé. Donc, il y a le problème de homogénéiser la chaleur, mais il existe des fours solaires, pas tout à fait pour les potiers, mais pas loin. Donc, il y a certaines choses qui exploitent l'énergie solaire pour le faire de manière complètement directe. Mais la difficulté, c'est que les nuages qui viennent, et hop, hop, le procédé s'arrête. Donc, pour la reproductibilité, ce n'est pas évident. Hein? Deux problèmes. Premier problème, c'est que c'est un chauffage qui est hétérogène. Il n'y a pas d'homogénéité dans la répartition de la température. Donc, il y a déjà des problèmes inhérents à ça. C'est-à-dire, quand vous allez chauffer par le chauffage solaire, il est très difficile sur une pièce, alors sur une pièce d'un millimètre, c'est peut-être possible, mais sur une pièce de grande dimension, il est très difficile d'avoir une répartition homogène de la température. Il y a des essais qui ont été faits, il existe en France un four solaire pour cuire de la céramique. Si vous cherchez sur Internet, vous verrez, il existe. Il existe, il atteint une température de 950 degrés. Moi, j'ai fait des essais avec ce dispositif. Dès que la pièce dépasse 1 cm, vous avez des parties qui sont cuites et puis des parties qui ne sont pas. Quoi. Il y a un problème d'homogénéité. Il y a probablement une nécessité de faire évoluer les technologies et ne pas faire ce qui est fait actuellement, c'est-à-dire qu'actuellement, le rayonnement est envoyé directement sur la pièce. Donc, il faudrait probablement des répartiteurs de chaleur. Enfin, il y a tout un travail là-dessus, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de marché pour l'instant. Donc, tant qu'il n'y aura pas de marché, il risque de ne pas y avoir de développement très net. Et puis, il y a ce que disait Dave, c'est que la température atteinte, elle dépend pas forcément que de la technologie, elle dépend aussi du soleil, quoi. Mais ça existe. Hein. Si vous êtes intéressé, vous allez sur Internet, il y a un petit producteur de fours solaires en France pour des matériaux céramiques. Oui, qui est dans les Pyrénées, il me semble. Oui, dans les Pyrénées, absolument. Et qui, par contre, effectivement, pour les applications des céramiques, comme nous, on l'entend, c'est pas très adapté. Mais il fait beaucoup d'applications en Afrique, il me semble qu'il fait des expériences pour des... Écoutez, moi, la seule chose que je peux vous dire, je les ai essayées. Oui. Je les ai essayés il y a 5-6 ans. On ne peut pas dire que c'était très concluant, mais c'est une technologie débutante. Oui, mais effectivement, ça peut être intéressant. Je pense que la personne qui a posé la question, dans une histoire d'économie et entre autres dans des pays en développement, où le soleil est accru, il y a vraiment peut-être des expériences intéressantes à faire qui ne seront pas sur des céramiques techniques, des céramiques classiques. Moi, j'ai essayé sur les céramiques traditionnelles. Hein. J'ai essayé sur de la brique, pour vous dire. Donc, je voulais voir. Et par rapport à la biomasse, justement, on peut faire de l'énergie avec des matières organiques. Oui, bien sûr. Il y a déjà des briqueteries ou des tuileries qui utilisent des éléments de biomasse comme éléments de chauffage.
c'est-à-dire qu'ils récupèrent les déchets de jardin, les déchets locaux, qu'ils les transforment en méthane et qu'ils utilisent ce méthane-là, qu'ils méthanisent la biomasse et qu'ils utilisent ce méthane-là pour chauffer. Il faut quand même vous dire que pour cuire une tonne de briques, il faut 35 mètres cubes de gaz. Donc... Ah, pardon, je l'ai coupé. Oui, sans doute, c'est au stade où on va partiellement remplacer le besoin avec les biomasse, c'est pas forcément on va faire ça à 100%. Ou sinon, c'est dans le carburant de la four presse classique. Donc, il y a deux approches, mais c'est des voies qui sont explorées. Il y a aussi des risques, parce que si on mal fait le mélange, on peut induire des explosions, donc il faut un petit peu de précaution dans le faire. Mais bon, c'est une voie que l'industrie de terre cuite explore très sérieusement. Vous parliez du Colombin, vous avez parlé tout à l'heure d'un liant hydrostatique, je crois, pour faire tenir ces pièces-là. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est monter des grandes pièces justement en Colombin. Si vous me dites qu'il y a un liant hydrostatique qui permet de ne pas faire jour après jour, parce que moi, je pensais faire sécher au fur et à mesure. C'est ça, un liant hydrostatique, vous avez parlé, non ça, pour faire tenir ça. Ouais, du grès. Non, du grès traditionnel. Si c'est des grès traditionnels, il y a des gens qui font ça sans liant hydrostatique. Vous allez, il y a ce qu'on a toute la technique dite à la corde, fait des mises en forme à la corde où on monte des colombins. Ouais, ça je vois bien, mais alors sur des choses beaucoup plus complexes, il n'y aura pas des choses qui pourraient améliorer la tenue en fait d'une terre crue. Un peu de liant. Oui. Oui. Vous mettez un peu de cellulose ou un peu La maïzena. Okay. La maïzena. Ou... Okay. Ah oui, enfin des starches. Enfin des starches. Oui, c'est ça. Starches, la maïzena ou de l'amidon. Bonjour. Malheureusement, arrêtez les questions pour les académiciens. Vous pourrez poser la question au moment du déjeuner. Oui. L'un d'entre vous a évoqué la cuisson au micro-ondes. Vous pouvez nous en dire plus? Ou l'une? C'est lui là-bas qui est le mieux placé. C'est toi le mieux placé. C'est toi, répond. Il y a un spécialiste là. Ouais. Dans la salle. Dans le micro. Vas-y. Ouais, c'est un peu le même problème, c'est que c'est pas très très homogène non plus. Oui, ça marche. Vous voulez connaître les spécificités de la cuisson micro-ondes? Donc l'intérêt du micro-ondes, ça rejoint un peu la question qui a été posée aussi, ça peut permettre dans certains cas des économies d'énergie, puisque les puissances souvent sont beaucoup plus faibles que celles d'un four conventionnel. C'est un chauffage qui peut être assez rapide. On peut arriver à friter des céramiques comme l'alumine en quelques minutes. En 15 minutes, on arrive à avoir une densification quasiment complète. Il y a aussi le caractère sélectif du chauffage qui peut être intéressant à exploiter. Alors c'est une technique qui peut paraître prometteuse, mais qui se heurte actuellement à des difficultés, puisque là, tout ce que je viens de dire, la rapidité du cycle, enfin, c'est vrai sur des échantillons, des matériaux modèles, mais dès lors qu'on est sur une pièce complexe, on peut avoir des coupures de chauffe, des emballements thermiques, du chauffage localisé. C'est le même problème que le soleil. Donc il faut essayer, on essaye de contrôler au mieux tout ça. Donc pour l'instant, en Europe, du moins, c'est une technique qui reste au stade de laboratoire et qu'on essaye justement d'avoir des développements au niveau industriel dans les prochaines années. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Par contre, ça peut être utilisé, ça l'est pour le séchage, par exemple. Oui. Actuellement, c'est utilisé pour le séchage. Je parlais au niveau fritage. Bon, alors je suis obligé de couper, autrement Clémence va pas être contente. Non, c'est parce qu'il faut qu'on avance, après on va nous prendre un train avec les académiciens. Oui, je sais Clémence. Donc moi je vais vous annoncer la prochaine conférence qui aura lieu le samedi 23 mai à 9h au Théâtre de la Bastille dans le 11e. Nous avons la chance d'accueillir Mario Botta, qui est un grand architecte et qui va faire une conférence sur l'ensemble de son travail et son intérêt pour l'architecture de briques.
Et puis, il y aura une deuxième conférence, une table ronde, où nous allons parler d'architecture de terre cuite, notamment, de terre crue, pardon, l'architecture de terre crue, notamment avec Anna Heringer, qui est architecte. Voilà, j'espère que nous vous retrouverons tous. Je tiens encore à remercier tous nos grands scientifiques d'être venus et de nous avoir éclairés. Merci beaucoup.